Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de mars parce que ça y est, on est au mois d'avril. Et pour moi qui dit mois d'avril, dit une semaine de vacances au Portugal. Voilà, donc je suis super contente de partir dans une semaine. Tout simplement, voilà, j'ai trop hâte. Donc, je vais commencer par des produits random. Donc il s'agit tout d'abord d'une boisson. C'est ceci, c'est Arizona, pomme-grenate, green tea. C'est super bon, franchement, je connaissais pas, j'ai testé et j'ai adoré, donc au top. Ensuite, c'est deux applications. J'ai découvert deux jeux pour ma tablette. Avec ma maman, on cherchait des jeux, elle me disait, t'as pas d'autres jeux que Candy Crush et Bubble Wish? Je lui fais, bah écoute, je vais regarder et je regarderai s'il y a un autre jeu. Et je suis tombée sur Blossom Blast. C'est trop bien. Je vous montre ce que c'est. En fait, c'est le même créateur. Hein. Donc, voilà. C'est ça, voilà. Donc en fait, il faut récolter, il faut arroser les petites fleurs. Et c'est un peu le même genre, hein, jeu de stratégie comme ça. C'est super bien. Et le deuxième jeu avec lequel je joue quand même pas mal aussi en ce moment, j'ai découvert il y a deux jours, enfin j'ai découvert au début de semaine, et donc c'est Pyramid Solitaire Saga, donc pareil, le même créateur, et là on est plus sur un solitaire, voilà, où il faut récolter la carte en or. Donc voilà pour les applications. Ensuite, autre favori random, ce sont les éclairages avec lesquels je filme aujourd'hui. Voilà, il fait pas un temps magnifique dehors et le problème c'est que le focus se fait pas très bien et c'est super chiant quand il fait très mauvais. Donc je me suis acheté des éclairages et je les adore, je suis trop contente. C'est les éclairages de chez Vida XL, vous avez dû voir la vidéo voilà, juste avant. Et voilà, j'adore. Je vous mettrai une petite photo juste après de mes éclairages. Voilà, et mon deuxième favori random, ce sont mes petits poissons. Voilà, mes petits poissons que j'ai prénommés Tic et Tac. Un orange, donc ce sont des voiles de Chine, un orange et un blanc avec des petites taches noires. Voilà, ils sont juste là-bas derrière moi. Je vous les montrerai aussi juste après. Donc voilà, mes deux petits poissons, Tic et Tac. Bon, ça manque encore un peu de déco, mais ça va arriver. Donc voilà pour mes randoms. On passe à favoris cheveux. Donc, c'est cette laque de chez L'Oréal. C'est celle que j'ai actuellement. Voilà, j'avais fait deux vidéos juste avant sans cette laque et j'avais les cheveux tout plat et je me suis dit non, je peux pas, j'en peux plus, il faut à tout prix que je mette de la laque. Et voilà, c'est celle-ci pour faire du volume, c'est trop bien, je l'adore. Ensuite on passe à un déodorant, c'est celui-ci, il est exceptionnel, ça sent trop bon. Et donc c'est le Narta Impeccable Antitrace Global. Donc c'est le Fraîcheur Active et donc c'est le violet. Ensuite, autre favori. Donc on passe au favori teint. Donc c'est, je pense que vous en doutez bien, c'est cette palette de chez Benefit, la Cheekayton. Voilà, je vous ai fait une revue, j'adore cette palette, je suis... j'adore l'odeur aussi. Je suis complètement conquise par cette palette, elle est super géniale. J'ai attaqué voilà, à utiliser le Oula, j'adore, j'aime trop. Franchement je la regrette pas et tous ces produits en full size, franchement sans regret et je suis fan. Autre produit que vous allez voir bientôt en revue avec les swatchs et tout, c'est cette palette de chez Sleek. Donc c'est la palette d'highlighter. Donc voilà. Hop là. Elle se présente comme ceci. C'est une palette qui est génialissime.
Donc c'est la Precious Metals. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Elle est trop bien. Et franchement, je la regrette pas du tout. Et elle est au top pour un petit prix. Franchement, au top. Ensuite, on passe aux yeux avec des mascaras. Donc je vais commencer par les flops, par les tops et je finirai par le flop. Donc mascara Unique. Oui, oui. Donc vous allez voir une vidéo qui va arriver ce mois-ci. Donc je pense qu'elle sera là la semaine prochaine. Ouais. Mardi, je pense que je vais la poster. Voilà. Donc je suis en partenariat avec Unique. Donc c'est Stéphanie qui revend des produits Unique qui m'a contactée et qui m'a proposé de faire un partenariat avec elle et cette marque pour pouvoir me faire tester des produits Unique. Donc j'ai testé ce mascara. Donc personnellement, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc je vous laisserai voir un peu ce que ça donne en vidéo. Vous verrez la vidéo la semaine prochaine et franchement... je suis contente d'avoir été contactée et contente d'avoir testé ce produit. Autre top, c'est ce mascara de chez Bourjois. Franchement, c'est le Volume Glamour Push-Up Ultra Black Edition. Il est génial. Il est génial ce mascara. J'ai fait un crash test entre celui-ci et le Better Than Sex de Too Faced. Et vous allez voir, ce mascara, pour son prix, est plutôt bluffant. Donc je vous laisserai voir la vidéo qui va pas tarder à arriver. Oui, j'en ai fait pas mal des vidéos avant. Et je vous parle d'un flop et c'est ce... Alors on va dire mi-flop, mi-top. Alors flop, pourquoi? Parce que j'ai fait un crash test avec ce produit, El Better Than Sex. Et par rapport à mes cils, c'est une catastrophe nationale. Voilà. Une catastrophe nationale, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans la publicité, rien à voir avec ce que, je crois qu'il y a Luffy qui a fait, la marque lui a envoyé ça, ou elle a fait une vidéo dessus, il y a aussi, je sais plus qui, enfin il y a trois youtubeuses, franchement ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai testé, alors moi personnellement j'ai les cils blonds, fins, droits et courts. Elles, je sais pas quels cils elles ont, mais moi, ce n'est pas du tout convaincant, pas du tout possible en première couche. Je peux pas mettre ça en premier, quoi, c'est pas possible. Par contre, il est bien en troisième couche de mascara après mon Better Than Sex. Ça étoffe vraiment, ça épaissit un peu plus mes cils et ça les fait voilà, plus épais et tout. Donc là, oui, mais sinon, pour moi, il est vraiment... Franchement, je le rachèterai pas, je vais le finir, hein. Mais sinon il est vraiment nul, donc gros flop, très déçu par rapport à ce que j'avais vu sur internet et tout. Donc voilà, mais bon j'ai quand même réussi à trouver une solution pour l'utiliser. Ça n'empêche rien. Ensuite on passe aux yeux et j'ai trois crayons à vous montrer, donc trois crayons de chez Kiko, voilà. Donc j'ai tout d'abord deux crayons de la collection The Artist. Voilà, donc vous avez dû voir ma revue. Donc c'est tout d'abord le crayon yeux numéro 03, donc le prune, et le 05, le vert, qui sont super bien, très très pigmentés. Je vous fais un petit swatch. Ils tiennent très bien et ils sont super jolis, voilà. Moi je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont, ils sont très très jolis et donc... voilà, super top pour ces crayons. Et un autre que j'ai beaucoup mis ce mois-ci, c'est le Long Lasting numéro 25. J'ai beaucoup aimé mettre ce crayon parce qu'il est très... c'est une couleur très nude. Il est vraiment très nude et il est vraiment voilà, très très bien. Et je le mettais en ratil inférieur, donc au top. Et on finit par les produits lèvres, oui, comme d'habitude. J'en ai 3 tonnes. Donc j'ai tout d'abord celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Donc c'est un ELF. Donc il y a une vidéo qui arrive voilà, sur un make-up, sur ce make-up d'ailleurs, que j'ai fait avec
presque que des produits ELF. Et ce rouge à lèvres est super joli. Donc c'est la teinte Berry Sorbet. Donc c'est les Matte Lip Color. Donc ce sont les crayons comme ça, les rouges à lèvres crayons. Je vous le swatch, mais voilà, il est super joli. Et je trouve qu'il tient plutôt bien. J'ai fait une retouche pour la vidéo après manger, mais voilà, il y avait juste le cœur des lèvres qui était effacé. Mais sinon, il est au top. Je vais refaire une commande sur ces produits lèvres parce qu'ils sont vraiment très très jolis. Ensuite, c'est un rouge à lèvres de chez Gérard Cosmétiques. Je l'ai utilisé pour mon maquillage de carnaval au magasin. Et je vais utiliser ce rouge à lèvres, donc c'est le London Fog. Donc c'est une couleur très atypique. Oui, oui, très très atypique. Voilà. C'est la couleur qui est juste ici. Et par-dessus, j'avais mis un gloss de chez MAC de la collection, donc de la collection Viva Glam Rihanna 2. Je l'ai ressorti, il était temps. Et c'est un gloss qui est vraiment très très joli. Voilà. Il est juste là et je l'avais posé par-dessus ça et ça rendait super bien. Au pire, je vous mettrai une petite photo de mon maquillage de carnaval. Ensuite, gros gros top, c'est ce rouge à lèvres de chez Lime Crime. Donc c'est les collections Perlise. Et donc moi c'est la teinte Mirage. Il est juste magnifique. Rien que le packaging, déjà j'aime déjà rien que juste le packaging, j'adore. Voilà le rouge à lèvres, il est trop beau. Il est juste là, franchement, il est trop trop beau, j'adore l'effet, magnifique, magnifique. Ensuite, c'est un rouge à lèvres de chez Je mets Maybelline. Eh oui, eh oui. Donc c'est le 750, le Choco Pop. Et il est super joli, j'avais pris pendant les rendez-vous beauté Leclerc, je crois. Ouais, c'était pendant les rendez-vous beauté Leclerc. J'aime trop l'odeur. J'aime trop l'odeur. Il est juste là, il est super joli. Ensuite, ce sont des rouges à lèvres de chez Sephora. Voilà, pareil, une revue va arriver sur ces produits lèvres. Excusez-moi, hein, j'ai un petit message qui arrive. Donc tout d'abord, c'est la teinte R17. Donc c'est dans les rouges crème. Il est super joli, il est là. Oh, il est juste là, il est trop beau. Et ensuite, c'est deux autres. Donc, c'est les rouges Shine. Voilà, donc le numéro 38 qui est... Hop. Juste là, hyper brillant. Et le numéro 12. Qui est un peu plus une couleur chaude. Ça change un peu. Voilà, qui se trouve juste là. Il est juste là. Et le dernier, pas des moindres, c'est ce rouge à lèvres de chez MAC que je me suis acheté à Lyon-Pardieu. Et c'est la teinte Violetta. Une tuerie. Une tuerie. Il est juste là et c'est... Je l'aime trop, 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 trop et franchement, sans regret. Donc voilà pour mes favoris du mois de mars et à mon avis, les favoris du mois d'avril vont être sympas quand je reviendrai du Portugal surtout. Parce que je vais faire un petit tour dans un centre commercial où il y a entre autres la marque Inglot. Oui, oui, Inglot, que nous n'avons pas en France, bien sûr. Mais je vais acheter 2-3 petits trucs que j'ai un petit peu repérés sur Internet. Donc, dites-moi si vous avez des favoris en commun avec les miens, comme d'habitude, ce que vous en pensez. Voilà, j'aime bien savoir. Et j'espère que cette vidéo favori vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !